Oui, Stéphane, l'émotion 1351 à toi. Voilà, c'est parti pour le QSO national du Canal 27, section sud-ouest, avec comme à chaque fois une petite vidéo. Comment vas-tu? Ça va, 73 Rémi, les bons six poissons Rémi, voilà, je suis en train de répondre à un commentaire sur Facebook, voilà, Noël, c'était un comparatif entre l'antenne que j'ai possédée, la stéréo 827, l'équivalent de la Montauban, et il voulait avoir un point de vue, voilà, et il se pose des questions. Donc j'ai répondu au commentaire de l'OM, voilà, la 827, ça vaut l'antenne, hein, c'est à peu près la même protection que la Montauban. Et je répondais à l'OM, voilà, par ça, rien de plus que du vieux Rémi, voilà, retour. Eh bien, pour le 9, le lendemain du QSO dernier, là, de vendredi dernier qu'on a fait, l'annonce est tombée là, au niveau des Radio Broc, comme quoi le salon est annulé. Ouais, je suis au courant. Je suis au courant, malheureusement, mais qu'est-ce que tu veux? Ça fait tuer, on parle poliment. Parce que moi, pour une fois, je ne travaillais pas demain, tu vois, ça me fait chier. Parce que pour le poliment, ça me fait chier, on est en grossier. On s'est dit, il y avait demain, mais bon, pour une fois, je ne parlais pas le samedi, j'aurais pu y aller, mais c'est comme ça. C'est la vie, hein, comme on dit. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Bon, c'est pas grave, on prend avec, on fera autre chose à la place, et puis c'est tout. Hein. Surtout que, d'après ce que j'ai vu justement là sur Facebook, il y a eu de la propague aujourd'hui, donc il y en aura peut-être ce week-end avec un peu de chance. J'étais là à la maison, je suis rentré vers 15h30. Donc, moi j'ai fait une pièce, ça vous être en cours, j'ai fait une petite pièce, j'ai cassé la croûte en rentrant du boulot. J'ai allumé le poste, ouais, il y avait un espagnol qui avait une pièce, je sais pas quoi, sur le triple 5, j'ai entendu. Et je suis venu écouter, après j'ai baissé le son, mais j'ai baissé le son du poste. Et après j'ai été occupé à d'autres choses. Mais bon, j'ai pas entendu grand chose. Oui, il y aura des trucs, hein. On est tous pareils, on a tous notre vie de personnel. On n'est pas tous derrière le micro, à tourner la galette, le VFO, à droite, à gauche, à écouter. Hein. Peut-être qu'il y a des ouvertures, mais j'ai pas écouté tout, ok? Eh bien, moi non plus, pas du tout. Hein. J'étais pas du tout en fréquence, ni même en écoute là aujourd'hui. Et les infos que j'ai, c'est celles que j'ai vues là sur Facebook. Puisqu'il y a même une vidéo que quelqu'un m'a passé en message perso, comme quoi là il a eu l'Afrique. Alors tout voilà, c'est un petit peu étonnant, quoi, vu la période. Ouais. Ok, c'est quel. Ouais, l'Afrique, oui, mais. Quelques vidéos que j'ai vues sur l'Afrique, je sais pas, la Birmanie, quelques des le Congo, ouais, c'est peut-être. Ouais. C'est tellement bizarre la radio. C'est pas très bizarre, c'est que des fois il y a des ouvertures de propagation. Mais c'est vrai qu'à cette période-là, c'est un peu étonnant, mais bon. On va pas critiquer l'OM, on n'est pas là pour critiquer, on est là pour écouter. Les points de vue sont les bienvenus, sont les bienvenus, dirons-nous. Je sais pas, quelle division on a entendu, qu'il a marqué la division, le CICD ou quoi, retour à toi. Ah mais de toute façon en plus c'est une vidéo, hein. Donc là ça coupe court à toute polémique. Alors attends, je vais me connecter, je vais essayer de retrouver son message. Ouais, ok. Bon, c'est possible, hein. C'est tellement... Des fois il y a des trucs bizarres qui passent. Hein. Moi j'ai vu des trucs il n'y a pas longtemps dernièrement, hein. C'était... De propagation, le mec il est arrivé 57, ça a rechuté complètement, waouh, c'est impressionnant. Mais bon, c'est possible. J'ai entendu l'Espagne, c'est tout ce que j'ai entendu. Hein. Je suis rentré, c'est lui, il est 3h30, j'ai allumé le poste vers 4h moins 15, 16h30. Bon, pas des origines, quand allez, 15h45, voilà, on m'a compris, et après, j'ai pas entendu grand chose. Hein. Ah d'accord, là je suis en train de passer. Alors attends. Sénégal. Voilà. Et alors attends, c'est 205 Alpha Tango Africa 086, l'opérateur Max du Cap Vert au large des côtes du Sénégal.
l'a attrapé depuis Roquefort. Roquefort, ouais. Ouais, maintenant je confirme. Ouais, c'est possible, c'est possible. Ouais, c'est lui, j'ai fait la semaine dernière. J'ai même, oui, sur les clusters, moi je suis sur les clusters, d'ailleurs, si vous me connectez maintenant. Ouais, je l'ai fait la semaine dernière, moi je suis encore sur mon papier, tu vois. 205 AP, barré à Alpha Foxtrot 086. Ouais, je l'ai fait, moi, la semaine dernière. La semaine dernière, c'est sur les cornets, on est. C'est quoi, on est vendredi, je l'ai fait, tu vois, en début de semaine, c'est des choses, regarde, ça m'en. Ouais, là, le Cap Vert, ouais, c'est ceux que j'entends d'ailleurs. C'était 590, un truc comme ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'il en met après, sur le 27570, j'ai aussi entendu la Guyane française, et le receveur 5657. Et lui, il l'a fait vers 16h30, 16h45. Donc, par contre, je l'ai sur la vidéo en plus, n'importe quoi. Il l'a vu sur le 27590. Ouais, mais c'est ça, je confirme. Il était spoté la semaine dernière, il est encore spoté là sur le cluster des X, c'est le vrai lui qu'il a fait là. Il est marqué Cap Vert, voilà, 590, 3 et 10 à radio l'a fait. Le 13-03, c'est-à-dire aujourd'hui, à 19h58. C'est les Brésiliens qui font mal en toi. Le Brésil l'a fait là, c'est de sauter 1, 2, 3, 4, 5 fois sur les clusters. C'est pour ça que moi je me mets un cluster. Mais bon, c'est ça d'ailleurs. Il va en bas là, 13-02 à 19h35. Je suis allé à l'état de l'ombre, à pied, voilà. J'ai été sauté, oula, 1, 2, 10 de fois. Alors, moi c'est pour ça que je vois beaucoup les clusters. Les clusters, la marque. Quand tu vois un mec qui est à l'autre bout du monde, au Brésil, qui fait tel pays, bon, t'écoutes à la rigueur, tu te dis peut-être que j'ai une chance de. Mais je l'ai fait la semaine dernière, moi. J'ai réussi à passer, parce que pour arriver à passer en vertical, moi j'ai pas de directive, donc en vertical c'était un peu compliqué, mais ouais, c'est possible, je confirme. Oui, voilà, mais les clusters, ils sont pas réservés aux radioamateurs. Ben non, quand un indicatif civiste, l'indicatif radio, tu t'inscris dessus. Moi, je me suis inscrit en Papa de Patango, parce que actuellement, je suis en groupe Papa de Patango. Et voilà, c'est à tous les coordonnées des mecs. Hein. L'avantage, c'est ça. C'est que moi, j'aime bien ça parce que tu as les coordonnées de l'OM. Voilà, je contacte telle personne sur telle division. Tu cliques dessus, si le mec il est inscrit, tu as les coordonnées pour envoyer la QSL. Si tu as envie de faire échange QSL, après, ceux qui ne veulent pas faire échange QSL sont obligés. Mais l'avantage, c'est ça. Dans le temps, moi, j'ai connu ça dans les années 90. C'est emmerdé à chercher le QSL manager. Maintenant, c'est plus trop bien. Il y a un QSL manager d'enregistrer, mais moi, à l'époque, on était emmerdé avec les QSL managers. Maintenant, avec Internet, ça a évolué. Tu cliques dessus et t'as les coordonnées directes. Ah, je suis trois coups. Alors, attends, parce que là, j'ai le forum qui est en maintenance. En maintenance, c'est au système, donc j'essaie de. Ouais, donc en plus là que Radio Bois qui est annulé, il y a aussi le Salon Clermont, ah ben c'est déjà passé de toute façon qui est annulé. Après tu as le Microway à Paris Expo qui est reporté au 23-24 septembre. Tu as Viry Radio. Viry-Châtillon 91 qui lui est annulé, toi petit à petit là ça part en cacahuète. Ouais. Enfin bon, surtout que là ça, d'après ce qu'on a entendu, là ça s'est corsé là, encore un peu plus, puisque maintenant c'est au niveau des regroupements, c'est grand maximum 100 personnes. Alors autant dire que tu n'as plus aucun salon qui peut fonctionner. Quoi. Il y en a qui n'aiment pas trop regarder l'actualité parce qu'ils disent qu'il y a des faux et des vrais. Mais bon, je m'excuse, les chaînes d'information sont là pour informer. Après, il y en a qui en prennent, il y en a qui en restent. Moi, je vois l'actualité normale, comme tout le monde. Hein. On est tous des gens français, citoyens français, écoutant l'actualité. Le gouvernement peut nous mentir, mais bon, les chaînes d'information, voilà, c'est fermé pour qui, c'est fermé pour moi. Ouais, j'ai
sais aussi, moi, comme toi. Mais moi, je regarde le journal TV, comme tout le monde. Je pense pas qu'ils ont que des bêtises à dire. Ils sont pas là pour mentir, c'est pas leur intérêt, tu me diras, mais bon. Non, mais bon, après, ouais, c'est vrai, j'ai vu ça sur, bah, comme tout le monde. Moi, je suis inscrit sur Facebook parce que je suis pas un accro à Facebook. Hein. Mais comme je fais de la radio le feu, puis je suis à la maison, et je regarde des vidéos, et j'ai un OS, qui avait marqué toutes les dates. Toutes les dates de radio et marqué annulé, voilà. On s'y attendait, hein. Malheureusement, on s'y attendait. Mais ça me fait tuer parce que ce n'est le seul moment où je pouvais y aller. L'année dernière, c'est pas sûr. L'année dernière, j'y suis allé, mais j'ai pas été au resto. L'année prochaine, on verra. Mais cette année, je pouvais y aller. Je peux pas, donc c'est comme ça. Hein. Mais bon, on fait avec. On vit au jour le jour, comme on dit. Ah ben là, pour le coup. Et je crois qu'en dehors de ça, le plus gros problème, c'est les gens qui se jettent sur tout et n'importe quoi. Du face à deux, pardon. Du moment qu'ils sont servis les premiers, ouais, je parle au niveau des magasins. Ah, c'est comme une petite anecdote. Hein. En Australie, il y a eu une bagarre entre Nana pour un chargement de caddie de rouleaux de PQ. Oh putain la vache! Je pense que tout le monde l'a vu aussi. J'ai vu la vidéo, ouais. J'ai bien rigolé avec ça. Bon, je sais pas si j'allais te poser la question, Rémi, avant que je crois que c'est Eric qui est arrivé. J'ai fait un essai de. J'ai baissé mon mannequin. Ouais, il a 3 heures. J'ai baissé mon mannequin, mon micro, j'espère qu'il n'est pas trop poussé. Je renvoie le micro sur le break, c'est sur le break, je pense, en avant. Ouais, 73 Stéphane, 73 Rémi, 60 messieurs, j'espère que vous allez bien. Et 73 retournés. Non, c'est bon, je suis sur 10 personnes. 73 retournés, Eric. Ok, là je suis sur un site où le micro-gain il est très bon là. Ah oui, là il est nickel. Alors il y a 1, 2, 3, 4. 5 dates d'annuler là, au niveau des salons là, sur ce site. Eh bien, il faut que je mette un jour de mon côté. Ouais. Retour Stéphane pour Eric. Ok. Ouais, salut Eric, voilà, 73. On discutait de bagarre de magasin, voilà. La vidéo qui est passée sur Facebook, je crois que c'est des femmes qui se prenaient la tête pour dérouler sa pistolette. D'ailleurs, j'ai pas compris, on s'est posé la question, c'est pas très chiant. Bon, la pénurie de coronavirus, ça on a compris, mais pour le papier toilette, on n'a pas tout compris. J'ai pas suivi, j'ai essayé de comprendre. Puis, dans la journée, j'étais pas accro au téléphone ou à l'actualité. Je sais pas pourquoi il se passe pour les 0 PQ. Soit ils s'en servent de masque pour se cacher du coronavirus, je sais pas. J'ai pas compris par rapport au papier toilette. Alors je vais te la donner avec humour, parce que ici les familles, on va être encore plus dans la merde qu'avant, donc il faut prévoir. Oui, mais ça j'avais compris, mais je pensais pas à ça. Ouais, là c'était une petite pointe d'humour, ouais. Mais pour en revenir à ce que tu dis, c'est vrai que, ce que vous dites tous les deux, je ne sais pas si vous avez fait faire un tour en grande surface, mais il y a des magasins qui sont dévalisés. Les gens, ils se ruent sur les pâtes d'eau, sur les denrées non périssables, les pâtes aussi, et ça, c'est impressionnant. Hein. Les gens, la psychose qu'ils peuvent avoir. Quoi. Allez, retour, Rémi. Oui, exactement, oui. Alors attends, là, puisque là, j'ai trouvé un site, justement, là, où il y a plusieurs annulations de salons. Donc oui, c'est sur Radio Amateur, Trade Union, F4GSJ. Voilà pour le site. Alors dessus, alors Radio Broc annulé. RF Microway Paris Expo, reporté au 23-24 septembre. Onde Expo à Écully, qui était prévu pour le 4 avril, annulé. Aussi le 4 avril. Le CJ 2020, c'est à CJIC, département 41, annulé aussi. Toujours en avril, Viry Radio, qui était à Viry-Châtillon, département 91, annulé aussi.
Mais, et c'est loin d'être fini. Hein. Et d'ailleurs, je vois en ce qui nous concerne, là, on a de programmer là, une assemblée générale, justement, qui doit se passer là, du côté de Nantes. Là, c'est mal barré aussi. Hein. Mais sur Marraine, j'imagine que tu n'as pas la confirmation. Au niveau du terrain de Marraine, je sais que tu as envoyé des. Je crois que c'est une demande, que tu m'en as parlé la semaine dernière, ou je ne sais plus, sur Messenger, ou je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Une demande, t'as pas la réponse encore? Alors pour ma reine, jamais ils répondent. On envoie la demande et on arrive avec le matériel. Mais bon, de toute façon, je pense quand même, d'ici là, ben, si c'est annulé, j'espère qu'ils nous le diront quand même. Ah, je pense que oui, hein. Puisque, ouais, bon, quand même, la moindre des choses, c'est que, si, si, je pense qu'ils nous informeront quand même. Oui, voilà, bon, pour ton micro, j'ai écouté là sur WebSDR. Ben, de ce côté-là aussi, hein, c'est nickel, c'est propre, c'est net, c'est clair. Il n'y a, aucune saturation ou quoi que ce soit de la modulation. C'est assez percutant. Et là, tu verras là, sur la vidéo là, du côté QRA là, ce que ça donne. Et c'est aussi propre. Hein. Et pour ma reine, ouais, ben, il ne reste plus qu'à attendre pour voir ce que ça donne. C'est de toute façon à ce niveau-là, on sait rien du tout sur quoi que ce soit. Même le gouvernement ne sait pas du tout jusqu'à quand va durer l'épidémie. Enfin, c'est même plus l'épidémie, c'est le. Oh, je sais plus le nom. Enfin bon, bref. Même eux, de toute façon, ne peuvent pas dire jusqu'à quand ça va durer. Donc pandémie, voilà, chercher le mot. Donc il reste plus qu'à attendre pour voir. Hein. Comme disait notre cher président hier soir, c'est que le début, c'est sûr, parce que quand on voit que les cas, ça se propage de plus en plus, mais bon, pour moi, c'est pas quelque chose qui est, comment dirais-je, c'est mon point de vue personnel. C'est comme une grippe, hein, mais le problème, c'est que ça atteint les personnes qui sont fragiles au niveau des bronches, tout ce qui touche les voies respiratoires et tout ça. C'est une grippe un peu plus décente, quoi, mais le problème, c'est que, comme il disait, d'après ce que j'ai entendu, parce que moi, je te dis, je suis pas au courant du tout non plus, il faudrait pas que ce virus, il ait trop de mutations, parce que ça dérive davantage, quoi. Ouais. Ok. Stéphane, tu reprends ma chien. Je sais pas si je suis d'accord avec toi, parce que il y en a qui vont faire des polémiques encore. Bref, ouais, c'est, en général, c'est des gens... Ouais, c'est des gens plus âgés qui sont un peu touchés, hein. C'est ce qu'on voit à la télé ou à la radio. Moi, j'écoute beaucoup plus la radio que la télévision, parce que je suis pas à la maison tout le temps. Moi, j'écoutais les reportages sur la radio. Après, il y en a qui disent des conneries, mais bon, c'est qu'à son point de vue. C'est, en général, quand on écoute l'actualité, c'est des gens qui ont 80 ans, au minimum 75 ans, qui sont plus touchés, malheureusement. C'est malheureux de le dire, parce que c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie. Et puis se faire flinguer par une saloperie comme ça, mais qui se... Ouais, bon, après, faut...
c'est comme ça, on n'a pas le choix. Ouais, c'est pas réjouissant tout ça, mais bon, faut attendre. Comme, ouais, c'est ce qu'ils nous foutent, ils nous foutent en quarantaine pour attendre. On va attendre, on n'a pas le choix. Après, faire des courses, j'ai vu des vidéos avec des mecs qui avaient des voitures, des scéniques pleines jusqu'au plafond pour faire des courses, mais c'est pas. Non, c'est un peu exagéré, hein. Faire des courses à la rigueur, je veux bien. Moi, je vais faire des courses demain, je pense. On va aller faire des courses comme tout le monde. Mais c'est des courses de quotidienne. On va pas en acheter beaucoup plus, je pense. Ça ne servira pas à grand-chose. Hein. Je reprends. Ouais, t'as entièrement raison, parce que moi, il y a quand même la faute du gouvernement, là, parce que, oui, ce qu'ils veulent qu'on fasse, parce que les gens restent confinés, ça crée une polémique, mais ce qu'il aurait fallu qu'ils donnent des restrictions, pour dire, par exemple, ne pas, que les gens, quand ils vont faire les courses, ne prennent pas plus de 2 pains lourds par personne, tu vois, ou, alors qu'il y en a, c'est des caddies pleins, les pâtes, c'est pareil, tu vois, faire les courses normalement, quoi. Tu vois, parce que c'est ça qu'il faut le bordel. Hein. Parce que toutes les petites surfaces, là, comme tu prends l'Isofras, et tout comme ça, là, je vois, ma femme a été faire une course de temps encore, mais ils sont dévalisés, les gens, mais c'est de la folie, quoi. Alors, non, c'est ce petit cause, là. Ils ont dû faire des restrictions, tu vois, comme ils le font pour l'essence. Voilà, toi, oui. Ouais, mais. Non, c'est bon. Ouais, mais regarde, par exemple, t'as une famille de 4 personnes. Face à une restriction comme ça, ben pour le coup, ils prennent 4 caddies et ils passent chacun leur tour en caisse. Et pour le coup, et au bout du compte, ils ont quand même le nombre de packs d'eau, par exemple, puisque là, on parle des packs d'eau avec eux. Et puis voilà, quoi. Ça leur est facile de contourner le problème. Et s'ils en veulent plus, ils font venir des amis, puis allez hop, et tout le monde autant de caddies chacun, et puis voilà. Ouais, mais là, comme tu dis, c'est rentré dans une psychose. Non, c'est bizarre. Les gens ne savent pas s'autodiscipliner, quoi. Dès qu'il y a un petit truc, aussitôt, là, c'est l'exagération. Regarde, quand il y a la pénurie d'essence, ils se pressent sur la gueule à la station. Parce qu'il y en a qui. Pour passer plus vite, pour. Non, mais c'est de la folie, quoi. Les gens, ils sont pas du tout autodisciplinés, quoi. Allez, à toi, c'est ça, quoi. Ouais. Ok. Merci du retour, micro. Oui, je suis d'accord avec toi, mais t'as vu, l'Air France, par rapport à la pénurie d'essence, l'Air France, il y a un mec, j'ai entendu ça à la radio, comme tout le monde, j'ai entendu. Comment il s'appelle ça déjà? Oh merde, c'est plus long. Le mec qui s'est fait un coup de couteau, le mec est mort, quoi. Tout ça pour passer devant l'autre. Non mais attends, on va où là? Ouais, ça devient grave. Comment ils appellent ça les... Ah putain, j'ai bouffé le nom là. Les mecs qui font taxi là, pas taxi, aidez-moi là, j'ai un trou. Vous avez ça là? Non, c'est les mecs qui font. Quand les taxis là, qui t'emmènent le soir, c'est un nom là, pas les DSL, les. Ah, zut. Ouais, bah le mec il est mort quoi. L'autre il est arrivé à son service parce qu'il est passé devant lui. L'autre il a un coup de poignard et il est en bois quoi. Non mais attends, faut arriver à. Mais c'est la psychose qu'on a par rapport à la guerre. Hein. Moi je vois un exemple, c'est un exemple que j'ai connu ça il y a ça, ouais, 15 ans derrière. Mon père il avait un ami à lui qui est encore de ce monde d'ailleurs, qui s'appelle Bernard, qui est radio-amateur. Il va chez lui, ses parents ont connu la guerre, il est aveugle, hein, il est malvoyant, hein, il fait de la radio depuis qu'il est tout jeune. Il va chez lui, il se rend dans le garage, il fait noir parce que lui il est malvoyant donc ça ne le dérange pas. Et t'as des valises, une fois chez lui, t'as des bocaux, t'as des poutres du plafond, ils ont monté des étagères avec des bocaux de conserve, de cassoulet, de foie gras, de machin. Il y a des grandes valises, faut pas exagérer non plus, il y a des valises, il y a 4-5 valises. Et qu'est-ce que c'est que ça, Bernard? Il dit, c'est des réserves, c'est mes parents qui ont fait ça parce qu'ils ont connu la guerre. Et ils font des réserves, du savon, du sucre, de la farine, machin. Voilà, mais ça va expliquer ça aux gens âgés. Moi, c'est un exemple que j'ai vu, moi, que j'ai constaté. Hein. Les gens âgés, pour eux, ils ont connu cette misère-là, malheureusement. Et ils voient ce petit truc à la télé, bah voilà, ils vont faire des réserves énormes. C'est dur à expliquer aux gens, à ces gens-là. Moi, je pars du principe que c'est très dur à expliquer à ces gens-là. Vas-y, vas-y.
Ouais, mais bon, il y a aussi le phénomène réseaux sociaux où là, les gens prennent un malin plaisir à accentuer les problèmes, ceci, cela, et ça, effectivement, c'est sujet à psychose et tout ça. Et de suite, les gens, là, c'est grosse panique. Et même les plus jeunes, même les gens de 20 ans, du coup, là, ce pic tombe dans le panneau, quoi. Alors que il suffit de vivre comme avant avec qu'est-ce qu'on nous demande de plus serrer la main. Et bon, ben ok, on se donne un coup de coude, un coup de pied, assis trois coups, et ça avec le bonjour en même temps. Quoique le fait de pas dire bonjour, de pas serrer la main, ça doit faire plaisir à certains quand assis trois coups. Quand on voit que aujourd'hui là, le fait de dire bonjour, certains prennent ça comme une insulte, et ça je l'ai vu en plus, hein. J'en ai eu un une fois comme ça, il m'a regardé de travers parce que lui, je lui ai dit bonjour. Là, j'étais bleu, quoi. Alors, c'est sûr que ces restrictions, ça doit arranger certains. Hachi. Ouais. Mais c'est que le problème, c'est que les autres, les gens en général, beaucoup prennent ça pour argent comptant, et c'est panique à bord pour le coup. Et c'est là où ça devient dangereux, où ça devient du grand n'importe quoi. Ouais. Bonsoir Rémi, c'est un panneau bricolage à faire.
Et tiens, tu as des voitures où il te faut carrément démonter le pare-choc pour pouvoir accéder, quoi. Il y en a, c'est carrément à ce point-là, quoi. Là, au niveau bricolage, non. Mais par contre, qu'est-ce que ça pousse, là, avec le temps qu'on a en ce moment, là, dehors. Donc là, ouais, aujourd'hui, là, c'était débroussaillage de tous les côtés. Et en fait, je ne sais pas ce que tu as demandé. Tu as dit, non, là, comme il s'appelle, là, c'est qui veut dire, tu sais, là, depuis les Charentes, là, merde, le grand mince, là, le Belge. Alors, je le vois comme ça, là, sur, sur Facebook, mais bon, pas plus. Ouais, ok, bon, ouais, non, parce que c'est vrai que j'avais un petit moment que j'avais pas eu de nouvelles de lui, là. Ton mère, je cherche son prénom, j'ai zappé son prénom. C'est Claudie. Exactement, voilà, Claudie, voilà, c'est ça. Ouais, non, il n'y a plus à rajouter. J'ai entendu un opérateur de mon secteur qui est pas loin de chez moi, je pense, l'opérateur Jacques, d'ailleurs qui est derrière la porte de salut. Je sais pas, je le connaissais pas en radio, il m'arrive à une moustache, ouais, mais donc on est 27275, puis 27285, je l'entends, sa moustache. Je sais pas où il est pas loin, je le salue, très content d'entendre en fréquence, je pense qu'il est pas... Ouais, il est un peu plus âgé que moi, je pense, mais très content d'entendre un autre poème en fréquence. Je pense que c'est un vieux, comment on dit, un vieux de la vieille. Il fait quand même le radio depuis pas mal d'années, qu'il s'est remis, j'ai entendu depuis une bonne dizaine de jours. Ouais, j'avais entendu, non, mais c'était sur le TMR, sur le canal 8, mais je vous dis, c'est ce matin, il s'était remis à la radio, mais... Il n'osait pas trop parler, quoi, donc... et puis après, bon, je l'ai perdu, j'ai pas... Ouais. Non, moi, je l'ai entendu sur 555, hein, il a fait appel. Opérateur Jacques. Ouais, Jacques, y compris Jacques. Très, très content d'entendre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde en fréquence, hein. On est un peu sollicité, hein, dans la Gironde, hein. C'est dans la Gironde, parce que moi, j'ai des commentaires... par rapport au PMR, bien sûr. D'ailleurs, je salue Ludo, il n'est pas là ce soir, il était en train de manger des pizzas, je pense. Mais bon, on a des bons commentaires comme quoi on a un PMR qui peut nous écouter, ça fait plaisir. Ouais, et toi, Louis, tu t'en cherches du tout, ton poste, de ton tagging? Ça fait longtemps. De toute façon, quand je l'allume, il y a à part une ou deux entreprises là qui a de mon côté là-dessus, c'est tout ce qu'il y a. Hein. Non, quand je l'utilise, ça va être entre nous au salon de Marennes. Là, j'aurais pu avoir l'occasion à Radio Break de l'utiliser, mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Mais autrement, dehors de ça, il n'a aucune utilité. Hein. Tu avais la petite antenne extérieure. J'en ai une qui me sert pour la réception là, sur le toit. Et je le branche dessus et non, il n'y a absolument rien du tout. Là, tu peux venir écouter de mon côté, tu verras que c'est le grand silence. Hein. Ouais, c'est bizarre parce que moi de mon côté, je sais que j'arrive à faire le très très bon contact. Hein. Quand ça veut un peu passer, les Pyrénées, les Oléron, le Massif central, qu'est-ce que j'ai eu d'autre, toute la région de Bordeaux. Là où j'ai un petit peu plus de mal, c'est du côté de l'Est. Mais sinon, tout ce qui va être le Sud, le Nord, l'Ouest, il n'y a pas trop de monde. Mais sinon, nord-sud, oui, j'ai de bons contacts. Ouais, et puis franchement, rester coincé en FM, alors que là, sur le 27 mégas, on a tous les modes, c'est sûr que moi, le choix, il est vite fait. Hein. Je vais là où ça me semble, où ça me paraît le mieux. Hein. Non, c'est la FM, c'est bon, j'aime bien la FM aussi. Bon, j'ai démarré comme ça en 82, mais bon, depuis, je suis passé aux autres modes. Hein. Je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, quand il n'y a pas de propagation là, comme en ce moment, où nous vraiment très peu,
par rapport à ce qu'on a connu à HF. Moi, je sais que je suis bien content d'avoir autre chose pour faire de la radio aussi. Ouais, bah j'ai testé. Non, franchement, j'en suis reparti aussi vite, quoi. C'est la seule fois où j'ai parlé avec, ben ça a été avec toi une fois, là, ça a duré 30 secondes, là, quand j'étais au nord-est de Bassin, au nord-est de Bordeaux, voilà, je suis arrivé, là, de ce côté-là, et depuis, je n'ai pas reparlé dedans, hein. Si, je me trompe, au Salon de Marraine, voilà, mais, et encore, ben non, c'est... C'est après ma reine, je crois qu'on s'est parlé un peu dessus. Mais pas depuis, hein. Ça c'est certain. Ouais, après, bon, comme on dit, les goûts, les couleurs, chacun. Non, moi je sais que avec Stéphane, on fait des petits contacts. De temps en temps, on va se carrer sur la tête. Et quand je vois avec Stéphane, avec d'autres joueurs aux alentours de Bordeaux. Et régulièrement, pratiquement tous les jours, je discute, ça va, j'irai juste dans le Nord-Gironde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, puis dans la Tour de Bordeaux. Voilà, mais franchement, je préfère plus le côté décontracté qu'il y a sur la Sibylle. C'est... Parce que bon, c'est vrai que la fois où j'avais parlé avec toi, bon, c'est dans cette période-là, moi j'écoutais un petit peu comme ça pour voir un petit peu. Bon, j'ai vu un peu comment ça se passait quand j'arrivais à entendre, et encore ça chevrotait, ça coupait net, où j'entendais rien du tout. Mais bon, dans les rares fois où j'ai entendu quelque chose là-dessus, c'est. Non, ça me donnait pas du tout envie de prendre le micro, loin de là. C'est sûr que de son côté, il y avait pas mal de perturbations, on va dire, on va se comprendre. Ouais, non, mais c'est bon, après c'est chacun, ça vient des goûts de chacun. Allez, à toi, Stéphane. Ouais. Ok. Non, je suis d'accord on fait des contacts avec Eric en PMR, on en fait. Mais nous, on est dans un secteur, moi je parle pour moi, moi je suis dans un secteur, c'est vrai que les entreprises, dans le coin, j'en ai moi aussi, comme Eric, il en a encore plus que moi, je pense, avec les grutiers et tout ça, entreprises de béton et tout ça. Donc nous, on est plus dans la côté, ouais, côté Bordelais, côté une grande Gironde, dirons-nous, le centre-ville de Bordeaux, pas le centre-ville, mais les alentours de Bordeaux. C'est plus à l'écart, donc t'as moins entreprise qui s'enferme. Mais moi j'ai envie, oui, c'est pas une envie, c'est que pour relancer un truc sur le 27 mégas, en effet, parce que moi j'ai connu ça à Béziers, parce que j'ai habité Béziers pendant pas mal d'années, et moi j'étais dans mon entreprise, dans mon commerce, tous les matins, moi je contactais des potes, c'est même des amis, sur le Cap d'Agde, Béziers, Camp de Barrieux, le matin on se contactait en FM. Et c'est un mode de trafic, il y en a qui n'aiment pas parce qu'il faut savoir mettre le squat comme il faut, voilà. Quand tu réceptionnes bien, moi j'ai envie de le faire, je vais le lancer, je vais essayer, c'est un essai. Je sais pas sur quelle fréquence encore, je vais réfléchir à la chose. Mais le PMR c'est comme ça. Si tu n'as pas de signal, ça décroche pas le signal, tu as beau mettre ton PMR en signal 1, comme moi j'ai le mien à côté qui est allumé actuellement, signal 1, c'est un mode de trafic aussi en FM, c'est pas sur 27 mégas, c'est vrai, sur 446. Et ça n'empêche pas de... Moi, je discute sur 446 aussi, avec Alain, ou quand j'entends Alain, quand je suis là, je suis pas là souvent, ou Eric, ou Yannick, je crois, il y a Yannick aussi, il y a Yannick que j'entends souvent, Yannick, Eric, il y en a d'autres encore, il y en a quelques-uns, mais il y a beaucoup de même aussi qui écoutent, hein. Il y en a beaucoup de même qui écoutent et qui ne veulent pas prendre le micro parce que ceci, parce que cela, bon ça les regarde, hein, je les comprends très bien. Mais moi j'ai envie de remettre ça en FM sur 27 mégas et après les gens veulent suivre, on verra bien. C'est vrai qu'après quand t'es un peu loin, faire des contacts avec des mecs plus loin, ça va être compliqué. Mais après, c'est un mode pour se retrouver, c'est discuter, pas se foutre la gueule. Hein. C'est pas l'intérêt, c'est quoi, ça m'intéresse pas. S'engueuler, se pourrir la vie, se dire la vérité, voilà, il y en a qui m'ont compris. On n'est pas là, on
est là pour discuter de tout et de rien, et puis il y a un mode de communication qui est là, et il faut s'en servir. Après, voilà, mais je vais réfléchir à la chose, après, ceux qui veulent venir, ils viendront, ceux qui veulent pas, ben, ils viendront pas, c'est pas grave, c'est mon prêt, ça va pas dormir. Mais bon, dans les 27 mégas, dans les 400, ouais, je pense 430, 440 en FM. Je sais pas, après, qui veut venir, on verra bien. Ça peut être un mode de communication. Voilà, retour Eric. De toute façon, t'as raison, il faut essayer, il faut redynamiser la radio au maximum, faire connaître, voilà. Et ça va qui ont des petites possibilités, il faut se mettre à la portée de tout le monde. Hein. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, t'as entièrement raison. Hein. De toute façon, il faut, moi, je le vois, tu vois. Là où encore j'étais un petit peu blessé, c'est que des fois le matin, j'arrive à écouter avec mon petit matériel au haut niveau antenne, parce que j'ai la Game Master, elle est trop chiffrée. Et écoute, j'essaie d'écouter une fois de 80 mètres, tu vois. Sur les bandes de 3 mégas, tu vois. Eh bien, écoute, bon, j'arrive à entendre un petit peu, il y a des moments quand les stations sont arrivées assez fort, parce que j'ai pas l'antenne adéquate. Mais j'ai dit, écoute, en écoutant ça, jamais j'ai envie de passer ma distance, là. Plus du tout, tu vois, c'est... ils font presque 10 minutes de plus, ils sont je sais pas combien. Alors, t'as le capitaine qui dit, voilà, toi, un tel, tu m'arrives à 9-10, un tel m'arrive à 9-10, le pas 58, le pas machin. Il fait le tour comme ça pendant je sais pas combien de temps. La météo, il attend le tout Pascal, ta-ta-ta-ta-ta. Eh bien, si, mais c'est un dialogue ordinateur, ça. Moi, franchement, ça m'intéresse pas du tout. Je préfère faire une photo comme on fait actuellement. On parle un petit peu de tout, et puis on discute, on se repasse au micro, voilà. Que là, les moments, pendant presque 10 minutes, tellement ils sont nouveaux, il faut repasser un micro. Mais qui, et j'entends une fois Patrick, tu sais, Papy, le relégage, je l'entends, il est en bas de fréquence, et depuis qu'il a sa licence. Mais je leur laisse, franchement, je leur laisse, hein, voilà. Allez, à toi, Rémi. Oui, c'est vrai que c'est pas fou. Hein. Stéphane, oui, pour le en FM, sur la HF, oui, ça m'intéresse hein, aussi, évidemment. Mais pourquoi si haut tu sais que tu as des nouveaux qui arrivent en fréquence. Ils n'ont pas tous forcément des gros postes. La plupart prennent du petit matériel pour tester ça, pour voir si ça leur plaît. Si ça leur plaît pas, bon, s'ils ont ils n'ont pas mis grand chose dedans, ils peuvent revendre facilement. Et du coup, si ton QSO se fait au-dessus des 40 canaux, eux sont forcément pénalisés. Ils pourront pas participer. Commencé comme ça avec un Timmy que j'ai encore, et alors moi j'ai récupéré d'un mec qui j'ai vendu qui est devenu un pote. Ouais, c'est pas bête, ça pourra peut-être faire venir du monde, je sais pas, ouais, dans les 40 canaux, parce que ouais, c'est pas ouais, ça pourrait se faire ça, faut que je réfléchisse à ça, ouais, ça pourrait se faire, parce que dans les 40 canaux, ouais, dans les 385, ouais, ça pourrait tenir, ouais, intéresser les gens, parce que c'est vrai que les commandants les sucres, si t'as pas le poste, c'est quand même con. On parle impoliment, c'est bloqué, donc on pourrait faire ça dans les 40 canaux, ça pourrait être intéressant de faire venir du monde. C'est faire connaître au moins, faire connaître ce que j'en ai. Ça peut être intéressant. Tu peux le faire sur le 405, là où on est maintenant. Je ne sais pas si tu as entendu, Rémi, on est plus sur le 975 là avec les papiers. On est descendu sur le 405, là. On est sur le 40 en bande normale homologuée. Ah oui, ah ben s'il y a déjà un QSO sur le 405, autant prendre celui-là qui est juste en dessous alors. Attends que je regarde ma table de fréquence. Ah oui, c'est bien ça, hein, Eric. Tu me dis qu'il y a déjà un QSO sur le 405. Eh bien, pourquoi pas le 39, le 27-395, après tout. Non, Rémi, je
416, c'est nous. On est plus sur le 975, là, on avait les papis, là, qui sont du côté de chez toi, là, Jean-Paul et Mario. On fait le PSO sur le 405, maintenant, en 1000 mai, c'est-à-dire le canal 40, les fréquences finies. Ah, d'accord, bah, tu vois, non, je savais pas du tout. Ah oui, bah alors, si Stéphane veut faire son QS sur FM, il vaut mieux qu'il évite ce canal, hein, s'il veut pas se ramasser des grands coups de porteuse musicale. Ouais, il a pas tort. Ouais, à la rigueur, je vais pas gêner le QSO de, comment dire, le QSO de matinale de Jean-Paul et de Mario, et des autres personnes, donc à la rigueur, on pourrait commencer, Tu dis 27 385, et bien c'est le canal 38. Ouais, pas celui-là d'en dessous, parce que je crois que, si je me trompe pas, c'est le 37 où t'as les Espagnols. À moins que ce soit le 35, je sais plus. Attends, j'ai fait des fréquences. Le 27 385, dans les normaux, c'est celui-là. Dans les inférieurs, c'est le 26 935. Dans les supérieurs, c'est 27 835. Ouais, faut que ça soit le canal, ça reste dans les normaux. Bah ouais, c'est pour ça que je sais pas. Si après, les gens vont venir, on verra bien. Hein. Moi, j'oblige personne, on va pas discuter. Moi, à Béziers, moi, j'ai dit, j'habitais Béziers, hein. J'étais en plein centre-ville de Béziers, avec une gueule qui t'assure, mais le micro que tu m'as fait voir, Eric, la statique que tu avais, que j'avais aussi, moi, j'ai sur pied, là. J'avais ça avec une gueule qui t'assure tous les matins, Jean-Marie, il y avait Bébert, il y avait Alain, on dit 4 ou 5, et après, il y a un 6-7 à la fin. En FM, on faisait en FM, ouais, bon, on passait tous 56, 57, on avait fait le squatch. Alors, c'est vrai que c'est chiant, la FM, je reconnais que c'est chiant, on parle poliment, on avait fait le squatch parce qu'il ne faut pas le mettre trop, parce que sinon on ne rencontre plus personne. Mais après, c'est sympa, hein. Tu retrouves, à Béziers, faisait comme ça, et moi j'ai connu ça en 98-99. Hein. Essaye de faire un tour en FM, là, Rémi, tu peux te mettre en FM, hein. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Vas-y, on reste là, mais dans les chaînes, on va voir si ça donne. Ok, ça marche. Ok, voilà, je suis là. Ok, voilà, je suis en FM. C'est bon, je suis là, dessus en FM. Ouais, je suis là. Ok, bah pareil. Je vois le signal qui monte, mais il n'y a pas de radio chez Stéphane. Ben oui, c'est ce que je vois aussi. Toi, par contre, l'avantage, moi, là, sur le DK, c'est que l'AFM est mieux filtré. Attendez, j'ai fait une connerie, j'ai poussé le bouton qui ne fallait pas, ça va mieux. Ah oui, ah bon, j'ai carrément coupé le micro. Par contre, il faut que je baisse un peu, parce que j'ai pas vu. Voilà, comme moi, c'est pareil, mais c'est moi, je suis à 10-12 voix, moi. Ah là, moi, vu que je suis assez loin, là, je suis plein pot, mais bon, j'entends tout le monde, ça va, hein. Rémi, je t'entends super bien, je t'entendais quand j'ai été. Mais disons que, en plus de ça, moi, de mon côté, bon, c'est vrai que j'ai le filtre BHI, là, qui est en marche, donc il me filtre la FM. D'ailleurs, tiens, je vais le couper, là, pour vraiment voir de mon côté ce que ça donne au niveau bruit de la FM. Mais j'ai déjà remarqué qu'en FM, le DK filtre mieux, quoi.
Ouais, ça passe encore. Mais bon, je me rends compte qu'avec le filtre, je t'entends quand même mieux. Hein. Ah ouais, il me faut le filtre hein, quand même, le BHI là pour arriver là, à mieux entendre. Qu'est-ce que t'appelles le filtre BHI? C'est le filtre du GPS métrique ou c'est un filtre à part? Oui, voilà, c'est ça, c'est un filtre qui est intégré entre le poste et le haut-parleur extérieur. C'est un filtre BSD. Qu'est-ce que j'ai bien dit ou pas? Attends que je regarde comment c'est marqué. DSP, pardon. C'est un filtre DSP. Celui de, je l'ai aussi sur le poste, le filtre DSP. Mais je me redonne, j'ai du mal à m'en servir. Ou alors plutôt, où j'arrive pas à obtenir le résultat voulu. Alors qu'avec l'autre là qui est branché là entre le poste et le haut-parleur, là j'ai réussi rapidement à le régler. Et de la façon dont il est, c'est quand même pas mal du tout. Ouais, attends, là ça va, ouais, là c'est bon. Là, ça va faire sur toi, tu m'entends mieux? Oh, bah oui, attends que je regarde, ouais, tu m'arrivais quasiment à un signal de 5. Ok, ça va, toi, t'es 5. 4. Ouais, attendez, parce que ça va, je te prépare le téléphone, parce que j'ai fait une petite vidéo, parce que la vidéo, franchement, je dirais pas que c'est mieux là de mon côté en FM, mais parce que bon, c'est vrai que là ça fait quand même un bout. Hein. De mon côté, j'entends quand même mieux en BLU. Hein. En AM, là, par contre, là, ça serait plutôt Radio Cacahuète, là, pour le coup. Rappelez-vous quand même, moi le poste, je sais pas, après, le réglage en AM, c'est pas terrible. On va compléter au minimum, tu vois, ouais, c'est haut, le power en bas, il est je suis à 15 watts, 10 watts, mais tout le monde évite de passer en Ah ben, et en FM, je t'envoie la même puissance qu'en BLU. Alors tu m'étonnes que ça passe bien. Vas-y, ça passe. Ouais, non, mais moi je vous entends bien tous les deux, impeccable, hein, c'est nickel. Ça passe fort et clair. Bon, en tout cas, bientôt, je vais mettre 27 000 en première ligne, je m'en sors. Ok, pour ma part, en HF, là ça me dérange moins la FM, c'est plutôt sur les autres bandes en UHF, tout ça, où là j'accroche pas du tout. Mais du côté de la HF, c'est pas pareil, c'est plus radio, là, on va dire, HI trois coups, comprends qui peut là. C'est je dois être trop habitué, et je m'en plains pas, à la HF. Je croyais qu'Eric avait repris. Ouais, mais bon, toi, d'un autre côté, ça permet de vu que là, on est entre nous,
Les nouveaux sont les bienvenus, ça, il n'y a pas de problème. Mais là, là, comme ça, entre nous, ça permet de faire des QSO de qualité, quoi. Enfin, du moins de qualité pour nous. Parce que bon, on trouvera toujours quelqu'un qui ne s'appellera pas. Hachi. Ok, ouais, il est 10h, moi c'est pareil, hein, je ne vais pas...